Alors, tu as regardé les vidéos de Maître Jack, tu vois, il t'a bien expliqué comment fonctionne une horloge et comment on apprend à lire l'heure. Alors maintenant, on va regarder le cadre A ensemble. Alors, dans le 1, il y a déjà deux exemples qui sont faits, tu vois, le 1 et le 2. Dans le 1, il est 2h30. Alors, comment on le sait? Parce que la grande aiguille, la bleue, elle est sur le 6, ça veut dire qu'elle a fait la moitié d'une heure. Donc on dit et demi. Une demi, c'est la moitié. Et puis, la petite aiguille qui donne les heures, regarde, elle est entre le 2 et le 3. Là, il faut imaginer qu'il y a le 2, hein. Il n'y a rien d'écrit ici, mais tu vois que ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ici, c'est entre le 2 et le 3, la petite aiguille. Elle a fait la moitié du chemin de la deuxième heure. Donc il est 2h30. Maintenant, si on regarde le 2, eh bien, tu vois que la grande aiguille, elle est pile sur le 12. Ça veut dire que c'est l'heure pile. Et donc, la petite aiguille est pile en face du 3. Donc il est 3 heures pile. Donc c'est pour ça qu'on écrit 3 heures, d'accord? Alors dans le numéro 3, 4, 5 et 6, tu vas devoir regarder où se place la petite aiguille. Donc soit elle est sur un pile en face d'un chiffre et donc c'est l'heure pile. Et dans ce cas, c'est comme là, la grande aiguille est sur le 12. Soit elle est entre deux, en plein milieu, entre deux chiffres. Et dans ce cas, c'est la demi. C'est-à-dire quand la grande aiguille est sur le 6. Donc, tu pourras compléter avec la grande aiguille. Tu dessineras la grande aiguille dans chaque horloge et en dessous, tu écriras l'heure. Alors, c'est écrit, il est environ. Parce que dans ce cas-là, on ne peut pas dire l'heure précisément. C'est pour ça que c'est écrit, il est environ. Voilà. Ensuite, dans le cadre B, alors, tu dois poser des additions. Alors, tu feras bien attention de garder la première ligne. Ah bah attends, je vais dessiner comme ça va te... Alors, tu vas bien faire attention de garder la première ligne pour poser la retenue, d'accord? Pour mettre la dizaine supplémentaire. Donc, il faut laisser de l'espace. Et puis ensuite, quand tu vas écrire, tu vas mettre... dans la colonne de gauche, dans cette colonne-là, tu vas mettre les plus, d'accord? Tu n'oublieras pas de tracer le trait. Alors moi, je le trace comme ça parce que j'ai pas de règle, mais toi, tu prends ta règle pour tracer le trait qui veut dire égal. Et puis, tu pourras écrire dans cette colonne les dizaines. Et donc, attention ici, ça sera la dizaine supplémentaire, c'est-à-dire la retenue. Et puis, tu écriras dans la colonne de droite les unités. Voilà. Alors tu feras attention en posant parce que tu peux dire 68 plus 23, c'est 68, c'est 6 dizaines et 8 unités. 23, c'est 2 dizaines et 3 unités. À chaque fois, il faut que tu te dises ça quand tu écris. Et puis, par exemple, ici, tu feras attention, il y a 5. C'est 5, c'est 5 unités. Donc, attention où tu vas écrire le 5. Quand tu calcules, tu commences toujours par les unités et tu calcules d'en haut vers le bas. Quand tu as trouvé combien ça fait, tu écris le nombre d'unités ici et tu n'oublies pas d'écrire la dizaine supplémentaire en haut de la colonne des dizaines. Et quand tu calcules ensuite les dizaines, commence bien par les dizaines supplémentaires, par la retenue. N'oublie pas de la calculer avec les dizaines. Voilà. Et puis, dans le dernier cadre, c'est un entraînement aux soustractions. Et donc là, il faut que tu imagines la maîtresse qui cache les doigts de Patty. Soit à la fin, quand on enlève un petit nombre. Et soit au début quand on enlève un grand nombre. Alors, par exemple, 13 moins 5. Alors ça, c'est pour aider ceux qui ne savent pas trop s'il faut cacher au début ou à la fin.
13 moins 5, on enlève un petit nombre, on cache à la fin. 17 moins 4, on enlève un petit nombre, on cache à la fin. 11 moins 4, on enlève un petit nombre, on cache à la fin. 14 moins 6, pareil, on cache un petit nombre, on cache à la fin. Et puis les autres, eh bien, on cache toujours au début. Je change de couleur, hop. 15 moins 8, on cache un grand nombre, on cache au début. 18 moins 9, on cache un grand nombre, on cache au début. Pareil pour 14 moins 7 et pour 13 moins 9. C'est marrant parce qu'ils sont bien rangés. Donc, soit, alors tu peux, si tu veux, regarder à nouveau la vidéo 23 si tu as un peu de mal à imaginer les doigts de Dédé. Les doigts de. Qu'est-ce qu'elle raconte, la maîtresse? Les doigts de Patty. Si après avoir regardé la vidéo 23, c'est encore difficile, tu peux utiliser le dessin des doigts de Patty avec une bande de papier que tu caches au début ou à la fin. Voilà. Eh bien, travaille bien et on se retrouvera pour la correction. À tout à l'heure.